écoutez Alger Chaîne 3, le journal. Fatima, bonjour, bonjour à tous. L'éducation en Afrique, thème phare du 37e sommet de l'UE à Saint-Dié à Addis Abeba. Lors de la réunion préparatoire, Ahmed Attaf a réaffirmé les engagements de l'Algérie envers l'Afrique et les efforts déployés dans ce domaine. L'Algérie et la Mauritanie renforcent leur coopération économique et commerciale. Une nouvelle agence commerciale de l'Algérienne Union Bank est ouverte à Ouagadougou. Le Maroc tente d'inonder l'Algérie avec de la drogue. Un narcotrafiquant marocain arrêté à Béchar avoue l'implication des services de renseignement marocains. L'entité sioniste persiste dans son plan d'agression terrestre sur Rafah où plus d'1,5 million de réfugiés palestiniens y sont entassés. Plusieurs États, organisations internationales et mettent en garde. Dans notre série de reportages consacrée au secteur de l'énergie, en prévision du forum des pays exportateurs de gaz en Algérie, la fin du mois en cours, on s'arrête ce matin sur les infrastructures gazières dont dispose son attraque. Du football avec la 37e journée du championnat de Ligue 1 qui débute aujourd'hui, un match au programme MCLB en tente de Sétif. Bonjour à tous, à la une de l'actualité ce jeudi, le sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine prévu samedi et dimanche à Addis Abeba. Un sommet précédé par la réunion du Conseil exécutif de l'Union africaine à laquelle a pris part hier le ministre des Affaires étrangères chargé par le président de la République. Ahmed Attaf a pris part aux travaux de cette 44e session où sont abordées plusieurs questions dont la paix et la stabilité en Afrique, la zone de libre-échange continentale et l'activation du Fonds pour la paix et la lutte antiterroriste. Le thème choisi lors de ce 37e sommet, l'éducation en Afrique. Dans son allocution, Ahmed Attaf a souligné l'importance de l'éducation pour le continent et l'engagement pris par l'Algérie dans ce domaine. On l'écoute. L'Algérie s'engage à partager ses expériences et à échanger ses connaissances avec les pays africains frères afin de promouvoir le secteur de l'éducation à travers tout d'abord les bourses d'études et les programmes de formation. L'Algérie accorde annuellement à ses frères africains plus de 1000 bourses d'études et plus de 500 bourses de formation. L'Algérie est fière d'avoir contribué depuis son indépendance à former pas moins de 60 000 étudiants africains. Deuxièmement, des projets de construction et de rénovation d'écoles, des projet pris en charge par l'Agence algérienne de coopération internationale, notamment dans les pays voisins, et enfin à travers le soutien de l'Institut africain des sciences de l'eau, de l'énergie et des changements climatiques basé à Tlemcen en Algérie. Ahmed Attaf, qui s'est entretenu en marge de cette réunion avec plusieurs de ses homologues africains, le chef de la diplomatie algérienne, qui a reçu également un appel téléphonique du secrétaire d'État américain Anthony Blinken. Les échanges ont porté notamment sur les questions internationales et régionales et les derniers développements de la situation à Gaza, ainsi que les efforts diplomatiques déployés par l'Algérie au Conseil de sécurité dans le but de donner un effet exécutoire aux mesures provisoires prononcées par la Cour internationale de justice, indique le communiqué du ministère des Affaires étrangères. L'Algérie et la Mauritanie renforcent leur coopération économique et commerciale. Une nouvelle agence commerciale de l'Algérienne Union Bank est ouverte à Ouagadougou. Elle permettra de renforcer les échanges entre les deux pays. Entre Alger et Nouakchott, les ambitions de coopération sont importantes pour les deux parties, mais aussi pour toute la région. Une coopération appelée à se consolider avec la prochaine visite prévue à Alger du président mauritanien Mohamed El Cheikh Al Razouani. Une visite qui revêt une grande importance selon le journaliste mauritanien Lamam Ahmed Mohamed, contacté par Linda Hamed. La visite attendue du président mauritanien Mohamed Ould Cheikh Al Razawani en Algérie est porteuse d'espoir pour les deux pays, mais aussi pour toute la région. Comme vous le savez, le président mauritanien a effectué une visite d'État en 2021 en Algérie, invité par son frère Abdelmadjid Tebboune, et les résultats étaient fructueux, avec notamment la signature de nombreux accords et mémorandums d'entente qui concernent le projet de la route Tindouf-Zouerat. Les secteurs concernés sont également l'enseignement supérieur et la recherche scientifique, la santé, la formation professionnelle et le soutien des micro-entreprises. Énième manœuvre du Makhzen à propos du conflit au Sahara occidental. À travers le Conseil onusien des droits de l'homme, il a invité 14 ambassadeurs accrédités aux instances onusiennes pour une visite dans les territoires occupés sahraouis. Le Front Polisario dénonce. On écoute à ce propos Mohamed Deshir, diplomate sahraoui, contacté par Lester Rini.
Et vraiment dire un pays qui ne doit pas présider le Conseil des droits de l'homme, c'est le Maroc. Parce qu'il a envahi des territoires qui ne lui appartiennent pas. Tout un peuple qu'il a contraint à vivre en exil de violation des droits de l'homme. Des pillages, loin des regards, loin des témoins. Toutes les organisations de défense des droits de l'homme disposent de faits accablants pour le Maroc concernant le peuple sahraoui. Et malheureusement, ce pays jouit toujours de l'impunité la plus totale. Ce pays, il a espionné les responsables de tous les pays du monde. Il a inondé le territoire sahraoui, le territoire algérien, le territoire mauritanien, de la drogue. Il fait de la traite des humains, notamment les Africains, un autre atout, une autre politique par laquelle il fait du chantage à l'Espagne. Et c'est condamnable à tout point de vue. Et de son côté, le ministre sahraoui des Affaires étrangères, Mohamed Sidati, a affirmé que la déception exprimée par les milieux politiques au Maroc après la visite de l'envoyé personnel pour le Sahara occidental, Staffan de Mistura, en Afrique du Sud, confirme l'obstination de l'occupant marocain à poursuivre ses tentatives d'entraver les efforts de la communauté internationale pour aboutir à un règlement pacifique du conflit au Sahara occidental. Le Maroc qui mobilise tous ses moyens et ses services pour inonder, pour introduire de grandes quantités de drogue en Algérie. De nombreuses tentatives sont d'ailleurs déjouées par les éléments de l'ANP. La dernière en date à Béchar, où 35 narcotrafiquants ont été arrêtés. Parmi eux, un Marocain en possession de 207 kg de kif traité. Et dans des aveux, Abdrani Chena, c'est son nom, a souligné l'implication du Marzène et des renseignements marocains et leur complicité dans la production de drogue et leur contrebande vers l'Algérie. On l'écoute. مخابرات المغربية ديال الحموشي كيتفاهم مع الجبار كيعطيها واحد النسبة من الإنتاج كيعطيها على فلوس باش يقدروا يخرجوا مخدرات من الجبل ديال كتامل المهرب المغربي اللي كيعطيها لنا حنا باش كنقلوها حنا ما عندناش علاقة بالمخزن المعلم ديالنا هو اللي كيتفاهم معاهم يعطيهم الفلوس باش يفتحوا لنا الطريق باش حنا نفوتوا. Dans ses aveux, le narcotrafiquant marocain est revenu également sur les conditions sociales difficiles, la cherté de la vie, en plus de la propagation de la pauvreté et du chômage au Maroc. الظروف المعيشة هي اللي دفعتنا نديرو هاد الخدمة المعيشة غالية والخدمة ما كانش حنا في هاد الشتا هذا البوطات ديال لي غاز كيجيبوهم العيالات فوقهم كيوصلوهم بشقات النفوس للدار وهاد الشيء هو اللي خلى الشعب المغربي يزيد هاد التهريب هذا وهاد الريسك هذا ولكن هاد الشيء ماشي مبرر باش غادي نديرو هاد الخدمة هادي. En Palestine occupée, l'entité sioniste poursuit ses bombardements sur Khan Younes et menace et persiste toujours à mener une agression terrestre sur Rafah où plus d'1,5 million de réfugiés palestiniens sont entassés dans ce lopin de terrain ne dépassant pas quelques kilomètres carrés. Plusieurs États, organisations internationales et ONG ont mis en garde sur les conséquences. Le Conseil de la Ligue arabe se réunit en session extraordinaire ce jeudi. C'est ce qu'a annoncé le représentant permanent de l'État de Palestine auprès de la Ligue arabe. Sur place à Gaza, on écoute le témoignage du journaliste palestinien Assad Beyrouti, contacté par Karim Hasnaoui. On craint de plus en plus que l'agression militaire de l'entité sioniste s'étende au gouvernorat de Rafah dans le sud de la bande de Gaza. L'occupation dit vouloir éliminer des combattants, mais en fait elle veut tuer des civils qui se sont déplacés à Rafah pour trouver refuge. Alors qu'on sait que nos combattants n'ont quitté ni le nord ni le centre de la bande de Gaza et qu'ils luttent de toutes leurs forces contre l'occupation sur tous les fronts. Dans notre série de reportages consacrée au secteur de l'énergie en prévision du Forum des pays exportateurs de gaz en Algérie, la fin du mois en cours, on s'arrête ce matin sur les infrastructures gazières dont dispose le groupe Sonatrach. Samir Loun s'est rendu au centre de traitement de Hassim Oumen qui contribue à hauteur de 65% de la production globale de Insalah Gaz. Reportage. Le centre de traitement de Hassim Oumen, un CPF qui s'occupe de traiter le gaz brut et l'expédie ensuite vers le site de Khrishba pour avoir une qualité de gaz répondant à des normes internationales destinées à l'exportation. Kerou Mohamed, chef de site à Hassim Oumen, un champ qui appartient à ISG, Insalah Gaz. Le projet de Hassim Oumen, c'est un projet de développement avec une capacité maximale de 15 millions standard metric cube jour. Annuellement, l'équivalent de presque 4
milliards de standards cubes. Nous avons 19 puits producteurs. Nous avons deux autres en cours de forage, de réalisation. Certainement, Inch'Allah, ils rentrent en production en juin 2024. Le deuxième puits rentrera en production, Inch'Allah, fin 2024, début 2025. L'opération de forage vise à booster davantage la production. Le potentiel HMN 8 aura à peu près entre 70 à 80 tonnes par heure. Pour le IS9, entre 10 à 20 tonnes par heure. Nous avons trois autres puits. En phase d'étude, certainement, ça dépend des résultats des puits forés. On va agir. Il est question, à travers une salle à gaz, de booster la production tout en garantissant son maintien face à des facteurs tels que l'usure ou toute autre anomalie pouvant entraver la production pour assurer la sécurité énergétique du pays. La direction CETIF qui abrite à partir d'aujourd'hui jusqu'au 18 février la deuxième édition des journées théâtrales avec trois masterclass et cinq pièces théâtrales. Au programme également des expositions et des conférences. Sida Ali Fels. Les journées théâtrales de CETIF reviennent dans leur deuxième édition avec un programme très riche, conférences, masterclass, expositions et présentations théâtrales. Toufir Mzahach, membre organisateur des journées, revient sur l'hommage à la Palestine. C'est de pouvoir donner un hommage à la Palestine avec la participation d'artistes arabes, algériens. Et c'est un moment où on soutient la cause, artistiquement parlant bien sûr. La pièce elle est intitulée Soumout Hanbala. Quels sont les spectacles de cette édition? L'ouverture, puis à 19h, voilà, le premier spectacle qui rentre en compétition, Les Compagnons de Nejma, spectacle de CETIF, intitulé L'Enjeu, là-bas, un spectacle de la Tunisie, Hajahra, Sultan Rahman, Bionouen, Al-Gharib, Al-Naqib. Troisième jour, il va voir Rahab Misrahi de l'Irak, Bionouen, Azra, il va voir un spectacle aussi du théâtre régional de Annaba, Al-Lakishbilia. Vous avez trois masterclass, actorat, scénographie et écriture théâtrale. Cette fois-ci, ils ont ciblé l'université parce qu'il y a le potentiel de jeunes étudiants et là on peut cibler bien parce qu'il faut être rationnel et logique. On ne peut pas former un comédien en trois jours aussi. Mais ne serait-ce de vulgariser, leur donnant les clés, comment monter un spectacle, ouvrir des fenêtres de formation. Aujourd'hui à 16h, l'ouverture de la deuxième édition des journées théâtrales de CETIF avec un spectacle hommage à la Palestine, à la Maison de la Culture Rouhani Boumdine de CETIF. De CETIF, Sidi Ali Fares, AGH3. Du football avec le début de la 17e journée du championnat de Ligue 1 ce jeudi. Un match au programme entre le MC El Bayed et l'entente de CETIF à 15h30. La suite de cette journée demain et samedi. C'est la fin de ce journal. Merci d'avoir suivi. La météo, Fatima Chef.